Yes, this is Adele Zindi speaking today on the behalf of Patrick Ekin, who passed away a few days ago. This is a very painful event of this year, and what I felt a lot in my life as a mother, as a sister, as a African, as a human being, and as a nurse. I will be speaking in French because I know that most of people who knows Patrick Ekin are Cameroonian and French speaking. Je voulais dire l'événement qui m'a marqué le plus cette année. C'était la mort de Patrick Ekin, ce jeune footballeur camerounais, un petit frère, qui est décédé en plein match. Cet événement a été l'événement le plus douloureux que j'ai jamais vécu. À Patrick, qui s'en va, je lui dis, tu es un chanceux. Tu es un chanceux parce que tu as été aimé par tout le monde entier. Tu as été très aimé. Tout le monde t'a pleuré, Patrick. Je ne suis pas sûre que toi-même de ton vivant pouvais imaginer l'importance que tu avais aux yeux des êtres humains. Ce n'est pas seulement le Cameroun qui t'a pleuré, c'est tout le monde entier. Ta mort devrait être banalisée pour parler comme un sage. La mort ne surprend pas. La mort ne surprend pas. En fait, c'est un chemin obligé de nous tous sur terre. Si chacun de nous pouvait mourir et bénéficier d'un enterrement, d'une assistance aussi grandiloquente, aussi grandiose. Vraiment, je crois que nous tous, nous aurons souhaité mourir tout de suite. Ça fait mal dans les cœurs que tu t'en ailles, mais ça fait beaucoup, beaucoup de plaisir de voir l'assistance, de voir l'importance, de voir comment, aux yeux de tous, tu étais cette perle rare. Chaque chose qui arrive dans cette vie arrive pour une raison. Tu es passé par-ci, par-là, et enfin tu es arrivé quelque part où il fallait que tu t'en ailles. Au moins tu es parti en train de, pendant que tu faisais ce que tu aimais le plus dans ta vie, le football. Si je voulais m'adresser à la maman naturelle de Patrick, nous tous, puisque nous tous nous sommes mamans, nous sommes un peu concernés, de loin ou de près, quand il s'agit d'un enfant. Quand on accouche un enfant, c'est pour que l'enfant nous enterre. Mais maman, quand toi-même tu as accouché Patrick, tu ne savais pas que cet enfant que tu as accouché devait être aussi important aux yeux du monde entier. Nous tous nous pleurons, Patrick. Je sais que ça te fait de la douleur. Mais en même temps, remercions le ciel. Tous ensemble. Patrick a été un exemple. De par son caractère. De par sa bravoure. De par son courage. Il n'a jamais lâché. Ça n'a pas marché ici, il est allé là. Ça n'a pas marché là, il est allé ici. Nous tous, ensemble, nous pleurons Patrick, avec toi. Mais sache que il est sur une bonne place. On n'a pas besoin de le chercher trop pour savoir que cet enfant
a été rappelé par le Seigneur. Il n'a pas vraiment souffert pour mourir. Tout le monde mourra un jour, ça c'est clair. J'ai vu l'épouse de Patrick, cette belle jolie femme. Cette belle petite fille, sa fille. Ses enfants ne vont jamais souffrir. Que ce soit son épouse, que ce soit sa fille. Parce que injuste comme cet enfant, le Seigneur ne peut pas permettre que ses proches, que sa progéniture souffre. C'est en même temps un souhait. Ça fait vraiment mal. Mais s'il y avait moyen de racheter Patrick pour amener à son épouse, nous tous, je suis sûr qu'en un clin d'œil, en moins d'une seconde, tout le monde entier aurait cotisé pour amener cet enfant. Mais hélas, il était temps. J'adresse particulièrement mes condoléances à toute la famille proche de Patrick Équin, en même temps à son épouse, sa petite fille. Que le Seigneur vous garde et vous protège pour le reste de votre vie.